L'heure est à la solidarité de tous les Français à l'endroit des victimes et de leurs proches. Nous pensons à celles qui luttent pour la vie, à toutes celles qui sont hospitalisées, à celles qui sont blessées dans leur chair. Nous pensons aux forces de sécurité et aux secours dont le courage et la détermination ont une nouvelle fois été admirables. Qu'elles sachent, ces forces de sécurité et de secours, qu'elles ont le soutien de tous les Français. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité de la situation et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'action. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. Nous soutiendrons toutes les décisions qui iront dans le sens d'un renforcement drastique des mesures de sécurité qui permettront de protéger la vie de nos compatriotes. Notre nation doit être soudée. La France est grande. La France est grande de ses valeurs, de son identité et de son peuple. Notre histoire est chargée d'épreuves. Nous avons toujours su les surmonter. Nous surmonterons celle-ci avec sang-froid, avec détermination et avec force. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France.